C'est cool, c'était pas prévu. J'ai mon après-midi qui a été déprogrammé de manière surprenante. Mirabel Du coup, je vais Bonnet pouvoir jouer un dirige petit un peu. sacré établissement. Je crois savoir que tous les marins repartent très satisfaits. J'ai entendu beaucoup de choses au sujet du poste d'équipage. Et rien de bon, la vérité. Ta gueule. À l'aventure. Oui, j'ai dit que ce serait bien le phare. Bonjour. Wow. Ok, devinez qui je suis. Kenlorn ou Mainlorn? Faux, je suis celui qui porte du bleu. Mainlorn est celui qui porte du marron. Ah merde, en plus, c'est pas comme si j'avais son nom en bas à droite. Ah le con. Je n'ai jamais lu les écrits de Tisplume, mais j'ai entendu dire qu'ils sont très intéressants. Je dis toujours le même truc. Prenez soin de vous. Je vais pas l'enlever, mais ouais, bien.
permettre d'entrer. J'ose. Il y a quelqu'un? Vous salue. Bonjour. Oui, je suis Ulfgar, œil brumeux, maître du phare d'Anvil. Venez visiter le phare quand vous voudrez. On y a une belle vue sur la ville et sur le port. Oui, c'est ce que je trouve, c'est très beau. Des rumeurs ? Pinarus Inventus est un incroyable chasseur. Il peut pister n'importe quelle créature, et il touche toujours sa cible à l'arc. Ok, tu me l'apprends, lui au moins il a un discours différent. Le coup du prophète, là. Oui, le type à côté de la chapelle. C'est lui qui demande le retour d'un chevalier sacré. Peut-être qu'on aurait besoin de plus de chevaliers sacrés ces temps-ci. Et la ville ? Les bateaux partent du port d'Anvil, vers les ports d'escale de l'Enclume, l'archipel de l'Automne, Yokuda et les îles de l'Ouest. Et la chapelle l'attaque ? Si seulement je pouvais mettre la main sur les lâches qui ont fait ça ! J'envisage même de prendre part à la croisade du prophète. Ah, ouais. Vous aussi. Comment allez-vous ? Mais je vais faire bien. Ah, je peux monter au phare ? Ah, trop bien ! Oh là là, mais c'est trop bien. Attends. Ah oui, merde, j'ai pas la bonne souris. Ah oui, c'est pour ça que je galère, j'ai pas mis la bonne souris pour jouer, mince. Ah ouais, ça vaut le coup d'œil. Alors là, faut bien admettre que c'est grandiose. J'en prends le micro à pleine main. Ah, ça a de la gueule. J'avais jamais vu. Pourtant, j'ai avoir une petite centaine d'heures sur le jeu, par le passé. Et je crois que je suis jamais allé au sommet du phare. C'est un vrai tableau. Je comprends pourquoi l'autre, elle est en train de peindre. Le cadre est magnifique. J'ai même pas visité le château en plus. Il paraît que la comtesse est adorable. Ouais, je vais aller partir à sa rencontre. Tiens, c'est une bonne idée. Avant d'aller voir les vilaines la nuit tombée. J'allais dire. J'étais tenté de faire un saut en grand plongeon sur de l'ange, mais je peux pas. Il n'y a pas de. Oui.
ce cadre idyllique. Tellement beau que ça me vide l'esprit. Je dis plus rien, je pense plus à rien, ça fait du bien. Comment ça va? Pas mal. J'ai entendu dire que Karahil était une puissante illusionniste. Pas étonnant qu'elle dirige tous les mâles d'Anneville. À ce que j'en sais, Karahil... Je vous salue. Comment allez-vous? Quel est le problème? Norbert Lel me fait de la peine. C'est quelqu'un de bien, mais il se fait souvent avoir. Adieu. Bonsoir. Vu l'heure, je suis embêté parce que... ouais, là il est 18h dans le jeu. C'était à quelle heure que je vais voir les nanas? Ah, 23h. Je vais peut-être y aller maintenant parce que
3 heures d'avance. Pas l'heure.
faire mon alchimie dehors en attendant. La lumière 40 pieds pendant 150 secondes, c'est pas mal. Un peu plus de 2 minutes. Ah ouais! Ah, je suis devenu éblouissant, disons. Ça claire bien. Je vais faire le tour de la baraque sans risque.
Je vois que vous avez décidé d'accepter notre offre. Bien. Notre bande a bien besoin d'une autre fille. Voici la formule. On met en boîte le bol flottant pour un sujet potentiel. En d'autres termes, nous essayons de trouver un homme marié qui boit beaucoup. Ensuite, on vous y envoie pour que vous charmiez le bonhomme et l'ameniez dans un endroit que nous aurons choisi pour le voler. Quand il y parvient, nous lui faisons enlever tous ses vêtements, chose très facile au passage. On profite du fait qu'il est sans défense pour refermer le piège. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu à faire couler du sang. Le meilleur dans tout ça, c'est que les hommes sont tellement gênés qu'ils ne risquent pas d'en parler aux gardes. Donc, l'essentiel, c'est que vous vous découvriez un peu, juste de quoi le tenter. Personne ne vous touchera. Qu'est-ce que vous en dites ? Pardon, j'ai eu un événement perturbateur qui fait que me revoilà seulement. Donc on continue l'histoire, on n'a rien vu. Eh bien, cela ne s'est jamais produit auparavant. J'imagine que nous devrions vous tuer. Nous ne pouvons pas vous laisser rentrer à Anneville et gâcher tout le plan. Mais pourquoi dire non quand il est tellement plus facile et tellement plus lucratif de dire oui, à moins que vous ne soyez là pour autre chose. Je suis ici pour l'anneau de Dogan. Bon sang, je le savais. Vous travaillez pour la garde de la ville, n'est-ce pas ? Je ne pensais pas qu'il serait assez stupide pour envoyer une seule personne. Mais qu'il en soit ainsi. J'aurais dû m'en douter après avoir recelé cet anneau stupide et découvert que c'était un faux. Moins que rien. Tout cela était prévu dans le plan de la garde, je suppose. Non, en fait. Ok, les filles. Nous avons quelqu'un qui ne veut pas coopérer. Oh le bordel. Ah là là. Entré dans la ferme, j'ai fait la connaissance de Faustina qui m'a demandé de me défaire de mes armes, mon armure et mes vêtements et de mettre dans un coin. Pas du tout. Alors ça, c'est le texte pour les hommes. Sachant que j'incarne une femme, il y a un problème. Je me doutais que c'était une ruse et donc j'ai refusé. Elle a appelé le reste du groupe qui est entré dans la pièce pour se battre, j'ai été obligé de les tuer. Vous avez la... Nous savions que vous seriez surprise de nous voir dans nos vrais uniformes. Je vois que vous avez l'air déconcerté. Demandez-moi ce que vous voulez. Ah oui, un peu que je suis déconcerté. Bah, qu'est-ce que tu sais au sujet de la bande ? Gogan et moi sommes réellement membres de la garde de la ville d'Anneville. On pourrait dire en quelque sorte que nous faisons un travail clandestin. Cela fait des mois maintenant que nous essayons de coincer la bande de Faustina. Chaque fois que nous avons essayé d'interroger une de leurs victimes, celle-ci a refusé de parler. C'est justement pour cette raison que les femmes de la bande choisissaient de séduire des hommes mariés. La décision fut prise d'arrêter cette bande en envoyant un étranger. Vous avez tout à fait le profil requis. Dommage que ça se soit terminé avec autant de violence, mais quelqu'un allait finir par être blessé, tôt ou tard.
Et Faustina ? Nous nettoierons tout ça, ne vous inquiétez pas. Vous n'aviez sûrement pas le choix. Si jamais vous allez à Anvil, passez nous dire un petit bonjour. Oh, et ne dites rien à personne pour ce qui est de notre véritable identité, s'il vous plaît. Oui. Bravo ! Tenez, voici la récompense promise. Et même un peu plus. Ah, merci. Des rumeurs ? On raconte que les gens qui assassinent quelqu'un reçoivent la visite de la confrérie noire dans leur sommeil. C'est comme ça qu'elle recrute ses nouveaux membres. Ok, merci. Ne dépensez pas tout l'argent de la récompense au même endroit. Non, l'autre, j'ai le droit de faire ce que je veux de ma thune, et oh. Mais merci. La dague coupe malin. Elle vaut une fortune. Alors que les autres dagues, elles sont nulles. Enfin, encore que non, l'épée courte, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. Si c'est la démolition. Les clés de la chambre de Gawain, hop, c'est pour moi. Son or, c'est pour moi. J'ai beaucoup. Hop, les clés sont pour moi. Je vous prie quoi ? Très occupé en ce moment. Je dois nettoyer derrière vous. Oui, oh, ça fait trois fois. J'aime bien le cadre. J'ai beaucoup à faire ici. Nous parlerons plus tard à Anvil. Je regrette, je ne peux pas vous parler maintenant. Je regrette, je ne peux pas vous parler maintenant. J'ai beaucoup à faire ici. Nous parlerons plus tard à Anvil. Impossible. Bah oui, j'ai la clé. Je peux y aller forcément puisque je viens de prendre la clé des filles. Ah ah, il y a un sous-sol. C'est intéressant. J'ai hâte de vous voir ce soir. Je pense à vous tous les jours, au moment que nous passons ensemble. Bientôt nous serons mariés pour l'éternité. Ouais, tu vois. La cuirasse de fer de Pinaras. Ok. Waouh. La corne de Pinaras. Punaise. D'accord. Bon bah on est bien au fouillé. Ah j'ai le droit de dormir là, dis donc. Ah je veux bien. Oh là là. Attends, il y a un bouquin en train de lire. Ah mais non, mais c'est une partie, j'ai pas tout. Mais oui, merde, c'est une collection complète. Apparemment, c'est un ouvrage cochon. Mmh. Ouais, je vais dormir 6 heures. Vous dormez bien profondément pour un meurtrier. C'est bien. Il vous faudra avoir la conscience tranquille pour ce que j'ai à vous proposer. Expliquez-vous tout de suite. Chaque chose en son temps, cher enfant. Chaque chose en son temps. Commençons par les présentations.
Je suis Lucien Lachance, annonceur pour la confrérie noire. Et vous, vous êtes un tueur insensible, capable de prendre la vie sans pitié ni remords. La mère de la nuit vous surveillait, et elle est très contente. Et je suis donc là pour vous faire une proposition. L'opportunité pour vous de rejoindre notre famille si unique. J'écoute. Puis, tenez compte de mes paroles, car je ne répéterai pas. L'auberge Mauvais Présage se dresse au bord de la route Vert, au nord de Braville. Vous y trouverez un homme du nom de Rufio. Tuez-le, pour achever votre initiation dans les rangs de la confrérie noire. Si vous acceptez, la prochaine fois que vous dormirez dans un endroit sûr, je reviendrai vous voir avec tout l'amour de votre nouvelle famille. Je vous en prie, acceptez ce souvenir de la confrérie noire. Cette lame n'a pas encore été baptisée, elle a soif de sang. Qu'il vous soit utile, comme votre silence. Je vous dis au revoir, j'espère que nous nous reverrons. Chère sœur, je ne colporte pas de rumeurs, je les crée. Oh, mais c'est qui va me plaire, lui? C'est qui la mère de la nuit? Louée soit notre mère impie. De ses entrailles nous sommes nés. De son sein nous nous nourrissons de mal et de souffrance. Elle aime ses enfants. Ok, mais la confrérie noire... N'avez-vous pas entendu parler de la confrérie noire? De la guilde dépourvue de remords, d'assassins rémunérés et de meurtriers sanguinaires? Rejoignez-nous, et vous trouverez tout cela dans la confrérie noire, et bien plus encore. Nous sommes avant tout un syndicat d'individus de même sensibilité. Nous tuons pour le profit, pour le plaisir, et pour la gloire du père de la terreur, Sitis. Nous formons une famille avec des liens forgés dans le sang et la mort. Et ce Rufio, quel est-il ? Sachez que Rufio est vieux et faible, et qu'il passe ses journées à dormir. Vous pourriez le tuer avant même qu'il ait une chance de se réveiller, si vous le souhaitez. Mais le rôle d'annonceur ? Oui, je suis un annonceur, un représentant de la confrérie noire. Ma voix est la voix de la main noire, le corps dirigeant de notre organisation. L'une de mes missions a pour but de trouver des individus exceptionnels, comme vous, et à leur offrir une place dans notre famille. Ok. La voie est libre. Envoyez Rufio vers sa mort, et la confrérie noire vous accueillera comme si vous étiez de la famille. Pèse pas. Extraordinaire. Je n'ai rien de plus à dire. Nous pourrons de nouveau parler uniquement lorsque Rufio sera mort. Oh la vache, l'autre est... Eh bien, quel est le problème? Vous fatiguez? Ah, vache. Ah, il est fort. Mais ce serait marrant que je réussisse à le zigouiller. Combo, il m'a pulvérisé le mec.
Je vais faire mon calme et je vais dormir. Hein. Je regrette, je ne peux pas vous parler maintenant. Et ben vous êtes de très mauvais garde, parce qu'il est passé dans votre dos un membre de la confrérie noire. Nous avons de la paperasse à faire et d'autres enquêtes à mener. Laissez-nous travailler. Vous êtes vraiment mauvais. Bon, bref.
qui remporte la chaîne le nom de Martin, prêtre à la chapelle d'Apatoche. Ah, mais oui. Ah, mais je me suis arrêté au portail. Et en fait, il y a... Attends, c'est le chemin, là. Mais au-delà du portail, il y a une vraie ville derrière. Je suis pas rentré dans la ville. Attends, je sauvegarde là du coup. La bourse ou la vie ? On peut dire ça comme ça si vous voulez. Alors, les jours et les semaines d'usage constant ont rendu le port de l'armure lourde tolérable, mais certainement pas confortable. Vous avez appris à vous adapter à son poids et à l'utiliser au combat. En tant qu'apprenti en armure lourde, votre armure de plate s'abîme moins vite au combat. Oui, c'est bien, c'est pas comme si j'étais en plein dans un combat. De guerre en argent. Oh la vache. Ah, il m'a bourriné avec son truc à 48 unités de masse. Oh la vache. Oh, il est trop lourd pour ce que c'est, je le laisse là. Oh, excuse-moi mon coup de cheval, je t'ai blessé. J'ai pas fait exprès. Seigneur Trad. Alors je vous demande pardon. Mais j'ai rien à savoir où j'ai mis les pieds. C'est carrément un papelin. Un type de pomme de terre. Ah non, des tomates. Pas loin de rentrer.
cadavre qui longe là-haut. Eh bien, où est le problème? T'es fatigué? Vous vous déplacez avec la... C'est censé m'impressionner. Montrez-moi ce que vous avez. C'est quoi ce qui... Oh mon dieu. Vous avez... Ah, c'est ça, je veux dire. C'est comique comme dans une pièce de théâtre, dis donc. Ah, le regain à la magie, peut-être.
vous battre, vous allez être servi. Allez, bête de foire, bats-toi. Bon, dans ta tête, mais si vous auriez pu me tuer, ce coup. Bref. Ah, je suis déchiré. Le défouloir absolu. De la folie de bêter. Oh bah attends, j'ai pas fait toute la grotte là en courant comme un fou. Oh si, oh le dédale toi. J'irai dans les minables. Sabot. Ouais, une pioche. Alors. Appelle le répit. Ah la fatigue. Oh. Eh oui, je suis bête. J'ai oublié qu'il y avait des torches. Oh, c'est bon ça. Ah.
regain de magie en attendant. Regain de magie. Non, je peux peut-être en refaire en potion. Dommage. Ah, j'ai rien pour refaire de la magie. Mince. Wow. Il y a quelque chose qui m'a attaqué, mais j'ai pas compris quoi. Inspiration, encouragement, hein? Pourquoi pas. Que la journée vous soit à vous. Vous montrer aura été votre dernière erreur. Qu'avez-vous à me raconter? L'autre, elle reprend le cours de sa vie. Bon, allez, je ferai ça une prochaine fois. Va. Alors, j'en reprendrai peut-être ce soir. Faut que j'aille un petit peu bosser quand même. C'était drôle. Là, l'épisode-là était bien. À part le flottement au début, là, avec les trois entôleuses, où j'ai poireauté 3 heures de nuit devant la ferme. Le reste, là, l'épisode était vraiment captivant, quoi. Ah, c'était bien. J'ai adoré. Ah, la suite promet d'être vraiment intéressante. Surtout que là, j'ai apparemment trouvé la planque des voleurs. Trop bien.
C'est peut-être la guilde des voleurs d'ailleurs, que je suis en train de piller.